Battle Pass saison 2, thème zombie mon gars. Ok la mif, on va checker le pass de combat de la saison 2 de Call of Duty MW3 et de Warzone 3. Alors c'est sur le thème de Walking Dead parce qu'il y a un petit événement zombie actuellement pour la saison 2. Et le pass de combat est plutôt pas mal. En tous les cas, à ce que j'ai vu dans les images qui passent sur Twitter, les leaks et tout ça, j'ai vu que le pass de combat était incroyable. Donc je vais le découvrir avec vous. Donc le Black Cell, bien entendu, est super stylé, mais j'ai pas 25 balles à mettre dans le jeu. Donc je vais simplement acheter le pass de combat, tout simplement. Ici, nous pouvons voir Rick Grimes de Sphere, enfin non, de The Walking Dead. C'est une dinguerie cette série. Je vais quand même checker un peu le Battle Pass Black Cell. Donc voilà, ça c'est les récompenses du Black Cell, hein. Je pense que c'est les Black Cell quand vous terminez le pass de combat. Donc franchement, j'avoue qu'il est stylé, hein. Le squelette qui se transpire de l'eau, on dirait un peu comme ça. Franchement, il est pas mal, il est pas mal. Mais bon. Ouais, non, c'est de l'or coulant, c'est une dinguerie, hein. Franchement, il est super beau le pass, le Black Cell. Là, c'est l'exécution qui est vraiment pas mal non plus. Donc, c'est parti, on va aller regarder. Donc là, on débloque directement. Ah oui, attends. Comment ça a verrouillé? À récupérer en... Ah ouais, c'est le Black Cell encore. Donc là, directement, en fait, dès que vous achetez le pass de combat, vous débloquez Rick Grimes, direct. Et là, en fait, Rick Grimes, en Black Cell, franchement, il est moche. Donc je suis content de... Quoi? Pourquoi mise à jour? Ah, ok. Donc ouais, je suis content. Enfin, je m'en fous de pas avoir acheté le Black Cell pour le coup. Alors ici, un plan d'armes. Ouais, ça va, bof. Ici, y a qui? C'est qui? Ok, c'est Laswell. Ouais, elle est pas ouf. En Black Cell, elle est un peu stylée, j'avoue. Alors ensuite, un petit porte-bonheur zombie. Ouais, pas mal. Ça, c'est quoi? C'est une nouvelle plan d'armes, un nouveau plan d'armes. Enfin, il est pas ouf, hein. En Black Cell, à mon avis. Ouais, ça va, c'est déjà mieux. Ok. Alors, un nouveau porte-bonheur. 101 survivants. Ouais, vite fait, hein, vite fait, vite fait. Qu'est-ce que c'est que ça, donc? Un petit couteau. Alors, non, c'est pas une nouvelle arme, hein. C'est un plan d'armes. Un petit couteau, je le trouve pas ouf. Pas ouf non plus, le camouflage est pas ouf, hein. Vert, noir, enfin, ouais, c'est basique quoi, vert pour les zombies quoi, c'est pas ouf. Alors Hector Salamone, ok, oh, il est stylé en Black Cell, waouh, dinguerie. Ok, nouveau plan d'armes, ouais, c'est pas ouf, hein. Bah, par contre, ça fait penser un peu au revolver de Rick, il est pas mal, hein. Là, revolver de Rick, j'avoue que... Mais en vrai, les couleurs sont moches. J'avoue que la posture, elle est stylée. Enfin, le personnage est plutôt pas mal. J'aime bien sa cape, j'aime bien son style. Mais peut-être que c'est la posture qui me fait dire ça, parce que s'il serait en posture normale, peut-être que j'aurais pas dit la même chose. Mais je le trouve quand même stylé. Alors, ici, Black Cell. Ouais, dinguerie en Black Cell, hein. Incroyable. Regardez-moi son mollet, là. C'est son tibia directement. Incroyable. Alors, ici... Porte-bonheur, hein, il est plutôt pas mal. Un petit sac à dos avec du sang, d'accord. Ça fracasse tes zombies. Ça, c'est beau, ça. En plus, c'est quoi? C'est sur le véhicule, je sais plus comment il s'appelle, le buggy. Voilà, le buggy. Franchement, ça, c'est bien parce que le buggy, je l'utilise souvent en zombie. Et là, on a enfin un petit thème zombie parce que, voilà, des trucs tout colorés et tout. En mode zombie, enfin, voilà, c'est pas trop le thème, quoi. Donc là, on a enfin un camouflage qui ira bien avec le mode zombie. Ça fait plaisir. Ici, nous avons un petit porte-bonheur unité 01. Ouais. On dirait que la visière, enfin les yeux là, on dirait qu'ils sont un peu lumineux. C'est plutôt pas mal, mais bon, après ça reste. Au début j'ai cru que c'était une grenade, hein, mais ouais, ça reste basique. Hein. Alors ici, waouh, le camouflage de fou, mon gars, mais c'est incroyable! Non, mais sérieux, quoi. Ah, c'est une nouvelle arme, ok, c'est une nouvelle arme, c'est pour ça, il n'y a pas de camouflage, c'est une nouvelle arme, d'accord. C'est la RAM 9, ok. Nouvelle mitraillette. Je me disais bien que c'était bizarre le camouflage. Assez stylé ça. On dirait une petite pop comme ça. Ouais, pas mal, pas mal. J'aime bien. Ensuite, ça c'est quoi? Une nouvelle arme? Ah, ok, nouvelle arme aussi. La BP50. Ça c'est un fusil d'assaut. Donc déjà, il y a deux nouvelles armes. Je crois que c'est tout hein, pour le début de la saison, je crois. Alors, ici c'est quoi? Un plan d'armes. Ouais, ça va, ça va. Ça fait un peu zombie quoi. Mais c'est déjà un peu plus travaillé que l'autre couleur vert-noir là. Ça, on voit qu'il y a des détails qui sont assez intéressants. Regardez-moi un peu le silencieux ou la bouche là du fusil. Rafistolé au scotch, les mecs. Donc, ouais, ça fait vraiment Walking Dead, quoi. Ça, c'est pas mal. Ah, coup de ninja.
Est-ce que je peux voir? On peut pas voir. Ok, il a l'air de lui faire une balayette vers l'arrière pour le défoncer après. Pas mal. Alors, rôdeuse. Elle est morte, hein? Elle a les yeux blancs ou quoi? Si elle a les yeux blancs, c'est qu'elle est morte, hein? Non, franchement, elle est bien. Elle est bien. En Black Cell. Ah, dinguerie, hein, dinguerie. Quelle est... Ça, là, là. Si je serais riche. Ah, si j'étais riche. Ainsi seul sont ma péniche. Ok, ah, il est pas mal. En vrai, le camouflage, il est pas mal en blanc. Ça fait un petit style. Avec un petit côté sanguin, là. Des petites veines, là. Pas mal. Alors là, le revolver. Le revolver Black Cell, incroyable, incroyable, trop stylé. J'espère que le nôtre il est bien aussi. Waouh! Revolver classique, classique gros. Franchement, trop stylé la petite pop là, incroyable. J'aime bien. Ça aussi c'est stylé, les mains de sang. Ok. Bah, tu vois, le camouflage comme ça, pff, voilà, je trouve pas ça ouf. Ici, pas ça ouf non plus. Ils ont changé les couleurs, mais ouais, c'est pas ouf. Plutôt pas mal, j'aime bien. C'est un peu futuriste. Je croirais dans Best From Beyond The Walking Dead. Par contre, là, franchement, le skin, il est trop moche. En fait, ses cheveux sont moches. En fait, ça va pas du tout avec un squelette, en fait. C'est des cheveux comme ça. C'est vraiment moche. Ils auraient dû lui enlever ses cheveux, ça aurait été mieux. Ouais, c'est pas mal. Une petite visière, ok. Ici, on a quoi? Ouais, c'est moche. Ici, en Black Cell, ça cartonne, hein, comme d'hab. Alors, ici. Plutôt pas mal, ça va vite fait. Ça, c'est pas mal, ça. Une exécution avec un chien. En plus, il est dans le pass de combat, c'est même pas un Black Cell, donc ça, c'est cool. C'est une super bonne exécution avec un chien zombie. Ça, c'est classe. Ouais, ça, là, ils ont bien respecté le thème Walking Dead, c'est stylé. C'est pas mal. Ouais, là, c'est stylé, ça. Avec la petite tête de mort sur le fusil, ouais, franchement, il est bien. Un peu rouillé comme ça. Style rouillé. Ouais, non, j'aime bien. Black Cell, bon, après, bah, le camouflage de Black Cell, c'est tout le temps le même, quoi. 13. Ah, il est stylé celui-là. Il est stylé, j'aime bien. J'aime pas le rose, mais franchement, là, ça va. Ça donne bien. Ouais, le thème, ok. Thème Walking Dead. Alors ensuite, voile. Ouais, ça va, il est pas mal. C'est Captain Price. Il est pas mal, il est pas mal. En Black Cell, Captain Price en Black Cell. Une dinguerie. Trop stylé ça. Ouais, il est pas mal, le petit peu bonheur, il est pas mal aussi. J'aime bien. Ghost. Ouais, je vois pas trop le délire, mais d'accord. Bon, il est pas ouf, hein, il est pas ouf. Il est pas ouf non plus en Black Cell, hein. C'est quoi ça? Waouh. Dinguerie, ça. C'est trop stylé, ça. Mais par contre, j'ai jamais vu de zombies comme ça dans The Walking Dead. Hein, avec autant de dents comme ça, là. C'est plus Resident Evil, là. Pourquoi on voit rien? Ok, Black Cell. Et le normal, c'est quoi? Ouais, nul. Ah, c'est quoi, ça? Un emblème. Les emblèmes sont pas mal en vrai. Hein. Je les passe parce que voilà, je m'en fous un peu, mais sinon ils sont pas mal. Ça par contre c'est stylé. C'est trop stylé ça. Ça j'aime bien. Ok. Détresse. Ah! Ils ont mis le camouflage un petit peu plus intéressant là. Il y a des petites taches de sang. Rouge-blanc. En vrai ils auraient dû tous mettre les camouflages comme ça là. À la place de vert-noir, ils auraient mis blanc-rouge comme ça avec des petites taches de sang. Ça aurait été stylé. Ben Black Cell, c'est toujours le même, d'accord. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça, gros? Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait, là? Riptide, wesh, ils nous ont mis un mec avec un sac sur la tête, gros. Après, on dirait que ses yeux, ils sont un peu fluorescents à travers le sac. Mais ouais, c'est pas ouf, je suis pas trop fan. Et en Black Cell, ben ouais, il est stylé de fou. Ah, exécution de Rick, là. Ah ouais, trop stylé cette exécution, j'adore, je kiffe. Alors ici, ben je crois qu'on l'avait déjà vu. Ah non, c'est le même camouflage mais sur une autre arme, d'accord. Ici en Black Cell, ça c'est, je crois que c'est la fin ça. Ouais, je crois que c'est les récompenses finales ça. Ok, celui-là c'est Sovina. Ouais, ça va, elle est pas mal. C'est assez spécial sa tête, hein. C'est assez spécial. En Black Cell, ouais, ça va aussi, c'est stylé. Ici, Ombre, ah. Ouais, ça donne, ça pète, j'aime bien. J'aime bien le style un peu animé comme ça. Ah ouais, mais c'est des têtes de mort qui sont dessinées sur le corps et tout. Ouais, j'aime bien, franchement, j'aime bien, je kiffe. Et en Black Cell, ok, on voit les têtes de mort toujours. Oh ouais, il est trop badass en Black Cell. Dinguerie. Ok, donc voilà qui termine cette vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je lui donnerais, allez, un petit 16, voire 17 sur 20. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires.